Hello les gars, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo pour un nouveau jour, pour une nouvelle vie. Aujourd'hui, on n'est pas tout seul, on a un copain qui nous a rejoint ce matin, un bouton du stress, là j'en ai quelques-uns, mais écoutez, s'ils sont là, c'est que j'ai toujours des émotions et il faut vivre pour avoir des émotions, ça n'a aucun sens, j'essaie juste de me rassurer comme je peux, ça n'a aucun sens. Bref, aujourd'hui je suis de bien meilleure humeur, évidemment que la soirée d'hier m'a fait énormément de bien, donc je repars sur de très bonnes bases. Je me suis dit qu'aujourd'hui j'allais vous montrer un petit peu comment je m'organise, parce que oui, il y a forcément des moments où je ne vous filme pas ma journée, mais ce n'est pas parce que je suis comme ça. Et non, il y a pas mal de choses que je fais dans ma journée, et pour vous recontextualiser un petit peu, je travaille de la maison, et évidemment que travailler de la maison, ça nécessite une certaine organisation. Donc je me suis dit que ce que j'allais vous proposer aujourd'hui, c'était que vous m'accompagniez finalement tout au long de ma journée. Donc c'est vrai que ma journée a déjà un petit peu commencé. À la base, j'avais prévu d'autres choses pour cet après-midi, mais j'ai d'autres rendez-vous qui se sont calés dans l'après-midi, donc finalement, je pourrais pas le faire. C'est pas grave, on a encore 20 jours ensemble, donc on aura bien le temps de s'occuper pour les 20 jours qui arrivent. On va mettre un petit peu ça de côté, on le prend, je le mets dans mon sac, le sac est avec moi et je l'ouvrirai plus tard. Sans plus tarder, pour vous raconter un petit peu, donc je me suis réveillée ce matin, je me suis préparée, j'ai mangé, j'ai petit déjeuner. Je vous ferai une petite morning routine aussi si jamais vous avez envie dans les semaines qui arrivent, voire dans les mois qui arrivent si jamais. Mais je vous ferai une morning routine, vous montrer un petit peu aussi ma morning routine favorite, parce que oui, il y a des matins, je préfère les passer comme ceci plutôt que comme cela. Il y a des matins que je préfère faire ci et cela. Des fois, je ne peux pas. Donc voilà, ça dépend de plusieurs choses. Mais tout ça pour vous dire que aujourd'hui, comment ma journée a commencé. Ce matin, je me suis réveillée à 6h. J'ai traîné un petit peu, 10 minutes dans le lit, puis je me suis levée. Et après, je suis allée petit déjeuner. Je me suis préparée, je me suis habillée. J'ai eu un rendez-vous à 9h ici, 9h30, ce qui représente 7h30 en France. Pendant mon rendez-vous, je me suis rendu compte que ma combinaison était à l'envers, c'est-à-dire que je l'avais mise comme ça. Donc, j'ai commencé à travailler, j'ai répondu à mes emails, c'était réponse d'email. J'ai répondu aussi à vos commentaires qui m'ont mis extrêmement de bonne humeur. Donc, déjà hier soir, le resto, ça m'a trop aidé. Mais alors, ce matin, une gentillesse dans les commentaires. Oh, j'ai fondu, franchement, j'ai fondu, telle une glace en plein soleil, j'ai fondu. C'était adorable. Merci, merci, merci pour vos commentaires. Vous êtes trop, trop, trop gentille, trop bienveillante, franchement. J'adore. Et n'hésitez pas à continuer. Hein. J'adore vous répondre aussi. Donc, savoir un petit peu ce que vous faites. Lola, tu m'as dit que t'allais à Miami. Purée. Mais une destination incroyable. J'espère que tu vas adorer. Tu m'as dit que tes vacances se passaient hyper bien aussi. Donc, écoute, c'est tout ce que je te souhaite. C'est la meilleure chose que je puisse te souhaiter. C'était que tu passes des vacances de dingo. Et également, j'ai eu un autre commentaire de HK. Alors, je connais pas ton prénom, mais merci et bienvenue à toi d'arriver de l'aventure. Franchement, trop contente que un petit peu la team s'agrandisse, que vous découvriez un petit peu toutes ces aventures. Donc, aujourd'hui, pour vous raconter un petit peu ce qui se passe, du coup, c'est que ce matin, j'ai répondu à vos commentaires. C'est la première chose que j'ai faite. Merci encore. Ensuite, du coup, j'ai répondu à quelques mails. Je me suis organisée un petit peu sur la journée. J'ai décortiqué ma journée, savoir ce que j'avais à faire, etc., etc. Étant donné qu'il y a 2 jours, j'ai terminé de travailler à 21h30. Bah, en fait, je vous avoue que j'ai commencé... En fait, c'était pour m'avancer. J'ai terminé hyper tard, mais c'est pour qu'on puisse passer du temps, vous et moi. Hier... J'ai beaucoup travaillé, j'allais dire j'ai pas fait grand chose, mais c'est juste que vous, je voulais pas montrer parce que j'étais pas bien du tout, que c'était le rush, j'étais une angoissée de la vie. J'avais vraiment pas envie de vous partager des mauvaises vibes, mais en même temps j'avais pas envie de prendre mon téléphone, de commencer à filmer, de vous dire bon ben voilà, écoutez, aujourd'hui machin machin, c'est pas vrai. Hier ça allait pas. Et du coup, vous nous avez suivis dans la soirée, vous avez vu, on est sortis un petit peu, c'était trop bien. Et pour revenir à nos chèvres, du coup, aujourd'hui, j'ai fait tout ce que j'avais à faire ce matin. Là, je suis en montage, donc je monte quelques réels pour le travail. Après, au montage de la vidéo,
Donc oui, pour ce soir, très important. Après, du coup, je vais voir un petit peu comment je m'organise parce que j'aurai une grande période de trou, je l'espère, pour moi, que je vais pouvoir prendre pour moi et pour vous, qu'on puisse aller s'occuper un petit peu. Et après, j'ai rendez-vous à nouveau à 17h. Des horaires qui sont pas arrangeantes, mais malheureusement, il a fallu que je réorganise un peu mon emploi du temps. Je vous l'ai dit, c'est un peu la course, mais c'est aussi ça, mon quotidien. Donc, je vous le montre. C'est la course des fois, c'est pas la course. Bref, voilà. J'ai beaucoup blablaté. Ça fait presque 7 minutes que j'ai parlé. Il est 10h30. Ma journée a bien commencé, j'ai bien travaillé ce matin, j'ai bien fait ce qu'il fallait que je fasse, je suis extrêmement contente. Maintenant, il s'agirait de continuer. Allez, on n'est pas en pause là, on y va. Étant donné que j'ai un petit coup de barre, je vais aller manger un petit truc qui va me donner de l'énergie. Je pense, oups la porte, je pense que ça va pas mal m'aider. Alors, plusieurs choix s'offrent à nous. On a celui-ci ou celui-ci. Donc, on a soit le Vegan Energy Bowls. Celui-ci, c'est amande et coco. Et on a celui-ci qui est au chocolat et au peanut butter. Si jamais vous êtes à l'île Maurice, je vous le conseille, très honnêtement. C'est pas donné. Franchement, c'est pas donné. Mais c'est vegan, c'est des trucs faits maison, c'est local, c'est vraiment tout ce qu'on aime. Et franchement, c'est super bon. C'est super bon. Et c'est ça en fait. Moi, c'est ça qui me manquait parce que si vous avez vu l'une de mes dernières vidéos cette année, j'ai sorti une vidéo où je parle de mon addiction au sucre. Addiction au sucre que j'ai beaucoup de mal à éradiquer de mon quotidien. Du coup, dans cette vidéo, pendant une semaine, je me sèvre. Et vraiment, je me sèvre. J'ai tenu un mois et demi. Un mois et demi durant lesquels je mangeais du sucre, mais pas. En gros, c'est un peu comme si le sucre fait partie de ton quotidien, donc tu sais qu'il ne faut pas le manger à trop grosse quantité. Mais étant donné qu'il y en a de partout, parfois, tu as envie de te faire un peu plaisir. Tout est une question d'équilibre. Je savais que je pouvais continuer à manger du sucre, juste qu'il fallait que je reste équilibrée. Donc sur un mois et demi, ça a été parfaitement. Et sauf que petit à petit, après, c'est un mois et demi, j'ai recommencé à en manger un peu. Et puis un peu plus, à m'en octroyer davantage, à me dire « Allez, là, c'est pas grave ». Allez, là, on y va. Ce qui fait que c'est parti en sucette. C'est parti en sucette et j'en ai remangé quotidiennement, quotidiennement donc. Là, ça va un peu mieux. J'essaye de me canaliser pareil. Et ces trucs-là, c'était une trop bonne solution en fait parce que du coup, ça me permettait de manger un truc sucré, énergisant en plus. J'avais pas forcément envie de dormir comme quand tu manges un dessert qui est très lourd. Un seul suffit. La compo est nickel. C'est du sucre naturel en plus, donc pas de culpabilité. Et en plus de ça, c'est délicieux. Ça, je l'achète. Il y en a au rayon frais juste en face du rayon bio au Super U. De temps en temps, il y en a. Ou alors, il faut aller au Mont Choisy Mall et il y a un magasin Néo Food. Et là, t'es sûr d'en avoir à chaque fois. Donc voilà où je le prends. C'est pas donné, hein. Franchement, c'est pas donné. C'est au moins 5 euros, un truc comme ça, il me semble. Mais franchement, incroyable, ça m'aide grave. Donc là, je me suis remis un petit coup de fouet. Je vais finir le montage. À tout à l'heure. Alors, il est 13h20. C'est trop con, je trouve que ça ne passe jamais, ça. Il est 13h20, j'ai fini le montage de ma vidéo, j'ai pas fini de monter les réels, mais étant donné que j'en ai un d'avance pour ce soir, je me suis dit que je le ferai demain. Et Moni m'a fait un retour aussi, là, il y a quelques minutes, sur l'un que j'avais fait pour... que je lui avais envoyé hier soir. Donc, je vais pouvoir améliorer ça s'il y a besoin. Cet après-midi, jusqu'à 16h, donc j'ai rendez-vous à 16h, et à la base, j'avais prévu 2-3 choses, mais étant donné, du coup, que j'ai dû caler des rendez-vous en dernière minute, cet après-midi, je vais m'occuper de mon projet. Je vais vous montrer un petit peu comment je m'organise, ce qu'il faut que je fasse, ce que je dois faire absolument. Et je vais faire un petit tour sur mes mails aussi pour voir si j'ai pas eu des confirmations ou des annulations. Pour ce midi, on est sur des pâtes et des bitonnets de poulet. Si vous avez vu South Park, vous savez de quoi je parle. Mais moi, c'est... Dis-le pour les autres qui n'ont pas vu South Park. Bah non, faut regarder. Et moi, en accompagnement, à la place des pâtes, c'est de la tomate et de la mozza. Est-ce que tu veux de l'eau? Oui, on veut de l'eau. Oui. Un petit peu d'eau et puis... Puis voilà, hein, bon appétit. Hein. Bon appétit, quoi. Prendre mon verre. Et puis, je crois que c'est à peu près tout. Hein. J'ai pris mon tel pour vous montrer un petit peu ce qu'on allait manger. Et au moment où j'ai pris mon tel, j'étais en train de dire à monsieur que j'avais vraiment une tête de pizza. En fait, à chaque fois que je suis stressée ou angoissée, oui, que des olives.
que je suis stressée ou angoissée. J'ai des boutons qui me poussent à des endroits improbables. Genre là, le copain qui est arrivé ici, il est improbable. J'ai vraiment une tête de pizza. Et comme je disais, ça, c'est des olives, quoi. Bref. Un pain sucé. J'ai vraiment une tête de pain sucé. Un pain sucé à l'olive. Oh, c'est dégueulasse. C'est une focaccia. C'est une pizza à l'olive. Bref, allez, on va se mettre un petit peu devant notre repas. Enfin, on va manger, quoi. Ouais. Allez, bisous. Alors, du coup, comme convenu, comme je vous disais tout à l'heure en début de journée, aujourd'hui, je vais vous montrer un petit peu comment je m'organise. Malheureusement, étant donné que je n'ai pas l'habitude de vous filmer quand je suis en rendez-vous ou quoi, je ne l'ai pas fait. Je viens de terminer un rendez-vous là et c'est vrai que j'aurais dû le faire parce que parfois, sans même que je vous montre ce dont on parle, l'idée, en fait, c'est que vous voyez un petit peu comment tout ça s'organise. Donc, je pense que je le ferai de manière plus structurée, probablement lundi. Comme ça, lundi, on démarre la semaine et je vous montre un petit peu comment vraiment je m'organise tâche par tâche pour mes trucs, etc., etc. Ce que je vous propose, c'est de voir un petit peu avec moi par rapport à la création de contenu. Il faut que je crée quelques TikTok et du coup, en fait, pour pouvoir le faire, il y a des choses qu'il faut que je fasse en amont pour tout simplement pouvoir le faire. Du coup, je me répète un peu, mais voilà. Donc, pour vous dire un petit peu comment ça se passe. Tout à l'heure, après manger, ce que j'ai fait, c'est que j'ai répertorié un petit peu des idées de TikTok que j'avais notées au préalable, que j'ai trouvées entre-temps, et des idées que j'ai eues aussi au cours de l'instant. Donc là, tout est par notes. J'ai aussi noté les musiques que je voulais attribuer, parce que parfois, ça se matche bien avec, donc il faut que j'intègre aussi une musique. Donc là, j'en ai noté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. J'en ai noté 13, qui fait pas mal. Je sais pas combien je vais avoir le temps d'en faire, en sachant qu'il y a des choses, c'est des tests, des espèces de crash tests. Donc par exemple, le boudin que j'ai mis hier. Bah d'ailleurs, j'ai pas fait de retour là-dessus. Mais le boudin, ça a pas trop fonctionné aujourd'hui. Vous savez pourquoi? Parce que tout simplement, en fait, je me suis endormie. Et sauf que quand je me suis endormie, je me suis tellement endormie dessus que le truc, il s'est barré. Donc ce matin, je me suis réveillée, le boudin, je l'avais même plus sur la tête. Voilà. Donc, j'ai trouvé aussi d'autres astuces pour mieux l'utiliser. Là, honnêtement, mes cheveux, c'est... ça va. C'est pas vraiment ce que j'espérais du boudin, mais ça va encore. Là, du coup, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est que j'essaye d'optimiser un petit peu son utilisation. Donc, je vais regarder. Peut-être que je vais pouvoir en faire un là et puis que je sécherai au sèche-cheveux, je sais pas, parce que dormir avec, j'ai déjà essayé plusieurs fois et j'ai trop du mal. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder les TikTok que je vais pouvoir faire, puis on va les faire ensemble et je vais vous montrer un petit peu comment je procède, en sachant que je vais pas... Oups. En sachant que je vais pas tous les faire et que habituellement, c'est beaucoup moins organisé, puisque en fait, quand j'ai une idée, je le fais et après je poste, sauf que ça m'empêche d'être régulière. Aujourd'hui, j'aimerais bien être régulière pour ce projet-là. Donc il faudrait que j'en prépare plus à l'avance. Et ça, c'est une façon que j'ai de m'organiser depuis très peu. Avant, je dispatchais un petit peu les tâches à droite à gauche. Et c'est un ami à moi, en fait, qui, dans une vidéo, expliquait qu'il fallait faire comme ça, et que ça le faisait gagner beaucoup de temps. Et depuis ça, en fait, je l'ai un petit peu... je l'ai introduit à mon quotidien. Et c'est vrai, c'est vraiment... ça fonctionne de ouf. Donc s'il y a bien un conseil que je peux vous donner aussi par rapport à l'organisation, quand vous avez des tâches à faire comme ça tout au long de la semaine, mais que vous pouvez les regrouper, par exemple... je vous dis n'importe quoi, si j'ai besoin de tourner, si je veux publier 3-4 vidéos YouTube par une par semaine, et bien ce que je vais faire est que j'ai envie de tourner que des trucs de je parle, des face cam. À ce moment-là, je me prends une après-midi, je tourne toutes mes vidéos, comme ça je les ai, après j'ai plus qu'à les monter et à les publier. Là c'est pareil, donc pour les TikTok, il faudrait que je les tourne, et comme ça après j'ai plus qu'à les monter et à les publier et ils seront prêts. En sachant que pour la plupart, je peux aussi très bien les mettre en brouillon dans mon TikTok, donc j'ai même pas spécialement de montage à faire et après ça part. Donc voilà un petit peu comment je vais m'organiser. Là, ce que je vous propose, c'est que je vais les sélectionner déjà dans un premier temps. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les préparer et puis on va voir. Et si jamais vous voulez aller voir un petit peu ce que ça donne, ce sera probablement que ce sera déjà publié d'ici là sur TikTok. Donc je vous mettrai le TikTok aussi dans la description si vous voulez jeter un coup d'œil. À voir. Après avoir été en immersion avec moi aujourd'hui, mais pas trop, on va aller manger dehors, encore une fois, oui, donc je...
je vais me changer. Du coup, j'ai envie de faire une transition MDR. J'ai envie de faire une transition à l'ancienne, juste en sautant. Pour vous, ça va être très très chouette. Pour moi, ça va prendre du temps parce qu'il faut que je me prépare. Donc, me voilà. Et voilà, me voilà ready et en retard. Donc, on se dépêche. Coucou Minette. Coucou Minette. Elle veut rentrer. Minette. Elle, on l'a appelée Joris. Parce que, en fait, ça ressemble à une fille. Et après, on s'est dit que ça faisait un moment qu'elle était là et qu'elle était jamais enceinte. Donc, on s'est dit que c'était un homme. Et là, tu vois, j'ai pas mes lunettes pour voir si elle a une quiloute ou pas. Et c'est vrai qu'elle a le visage plus fin, etc. Elle ressemble vraiment à une fille. Mais du coup, bah, c'est resté Joris. Non, pas encore. Elle attend. Regarde. Joris. Oh non, elle a peur. Ce soir, on va manger coréen chez Koji Koji. Moi, je pense que j'ai pas besoin de regarder ces jours parce que ça doit faire au moins 10 fois. Et je parle à mon téléphone, j'ai l'air d'une malade. I know everything. 10 fois que je voulais prendre ça là. Des gongjong chicken, des yam yam chicken. C'est quelle page? Ah oui, là. Et donc, c'est sûr que ce soir. Moi aussi, je vais prendre ça. C'est pas facile ou pas? Grave. Avec un peu de riz. La dernière fois, on a pris ça. On a pris le dolso de bibimbap, qui était bon, mais ça va. Ouais, c'est vrai. J'ai trouvé aussi que c'était un petit peu fade. J'ai appelé à Fraser, j'aurais dit. Alors que là. Elle m'a dit, ouais, pas de problème. Attendez, je délègue mon YouTube. Vas-y. Alors, si vous ne le saviez pas, vous avez la possibilité de commander un énorme plat de légumes et de viande à griller. Et en fait, vous allez pouvoir du coup faire cuire votre propre viande au milieu de la table. Existe ici. J'ai vraiment rien mis en place. C'est vous qui voyez à convenance pour la grillade, plus ou moins. Et voilà, c'est tout. Je suis d'accord avec tout ce qu'elle a dit. Et j'aurais pas dit mieux. C'est bah parfait. Voilà, tu fais ça, sinon. Et ben, tu prends quoi, un gongjang, toi? Alors, si tu veux. Ouais, c'est passé les gongjangs. Ouais, parce que je crois que. Ouais, c'est vrai. Mais regarde, tu fais le. Moi je vais prendre le spice. Nous on te paye. Bah, moi je vais bien vous donner un peu de spice. Voyons. Mais je ne peux pas bien. Et toi, mais moi tu fais ce que tu as avec besoin. Avec un peu de riz. T'as zéro frais. Très bien. C'est Maurice à Maurice. Je crois qu'il y a du riz déjà avec. Ouais. On va demander. Ouais, parfait. Et tu pourrais faire plus sensible. Ouais, tu fais un peu de riz. Tu peux comprendre un peu de chine. Non, j'avais pas trouvé très bon la dernière. Je pense que je préfère bien, bien, bien mariner, moi. Une petite boisson. D'ailleurs, au passage, on a goûté le soju la dernière fois. Quoi le soju? Le soju, c'est l'alcool coréen. On avait goûté la dernière fois. C'est dégueulasse. Non, j'ai pas aimé. J'ai pas aimé. Très en important. En fait, ça a vraiment un goût. En fait, si vous voulez, c'est de l'alcool de riz. Je sais pas comment dire le goût que ça a. C'est un peu de la vodka, genre. Ouais, c'est ça. C'est un peu de la vodka. Ouais. Et encore, même la vodka, c'est bon à côté. Non, je le bois. En intraveineuse. Il y a un truc de dégustation. Ouais. Au luxe. Vas-y. C'est que les jeudis en plus. Vas-y, on essaiera de regarder, réserver à l'avance, parce que j'espère qu'ils seront pas complets. Bah, faut appeler dès maintenant. Un accord, mais je sais, ça sera fou. Faut appeler dès demain. Vas-y. Toi, vas-y. Oh. Ok. Ça ne travaille pas la Thaïlande, le fried chicken. Ah si, attends. C'est pour ça que j'en ai pris. C'est le. Attendez, je vais le dire en caméra. Vas-y, tu vas dire quoi? C'est le premier plat que j'ai mangé. C'est trop dur. Après une sortie de 14 jours de quarantaine. Ah ouais? Oui. Parce que Moni, si vous ne savez pas, elle a fait. Vous pourrez aller voir sa chaîne d'ailleurs. En fait, elle est allée en Thaïlande. Et à l'époque, comme c'était pendant le Covid, elle a dû faire 14 jours. C'est ça que vous avez fait, 14 jours? 14 jours dans un hôpital, un hôtel. Dans un hôtel. Et le premier jour que tu es sortie, du coup, c'est ça? Et puis vous avez mangé quoi pendant deux semaines? Du plat thaï. D'ailleurs, j'ai découvert le plat thaï préféré, qui est cashew chicken cashew nuts. Ah ouais, mais tout ce qui est au cashew nuts, c'est délicieux, je trouve. Thank you! I've
your soul. I know we need each other. I know our love is strong. We're still riding down this road. Ooh, my love, I can feel you in my bones. This is real. I hear your voice too close. Oh, this feeling grows while I'm filling up this void. Far away, far beyond the limits. Every day, finding our soul. Anyway, it feels like coming home. Coming home, coming home. Coming home, coming home. It feels like coming home. Allez, bonne soirée. Je plonge dans le lit. Non, je Allez, avant d'aller en courir pour cette fatigue, bien évidemment que je vous souhaite à tous la bonne nuit. Merci d'avoir passé ce petit temps avec nous. Je vous embrasse et je vous dis à demain les copains pour un nouveau vlog. Ouais, je t'attends. Ah, ça y est. Allez, je vous fais des bécos les gars. Des bécos. Les bécos, j'ai toujours l'impression que c'est comme les vieux quand ils ont un dentier et qu'ils l'enlèvent. Bah, tu sais, ils te font un béco. Ouais. Allez. Béco, les gars. À demain. Salut. Allez, bisous. Bonne soirée. Vas-y, si ça marche. Imagine. Allez, bisous. You're young and fragile. Like a bird in the sky. And I'm old like gravel. I've been kicked around too many times. I'd never hurt you if I could. So you let your guard down. You're like a